Stop, j'ai mal aux pieds. Je ne me battrai qu'à armes égales. Tiens, bois ça. Quand j'arrivais le matin au CFT Gobelin, et que je m'installais à ma table lumineuse, je n'aimais pas trop flipper mes feuilles d'anime. Alors, je m'amusais à ouvrir ma bouche en faisant des grimaces pour faire craquer tout le foutre que j'avais collé sur la gueule. Parce que la veille, j'avais fait une partie de jambes en l'air avec Anne. Je sentais ma peau qui craquait avec tout ce glaire séché. Quel bonheur! J'expérimentais ces nouvelles sensations. Et oui, j'étais au début de ma vie sexuelle, depuis 4 ans, je pense. Je vous rassure, je le fais toujours. Hello, my name is Celia Canning, les darlings. Je suis un bon vieux kiwi de Nouvelle-Zélande. Mais, mes chers enfants, avant d'être celle que je suis, je fus une pionnière du CFT des Gobelins et j'ai essuyé les plâtres des exercices pourris qu'on nous donnait à faire. Le clown sur un fil. Oh god, quelle fucking horreur! René Fouin, notre professeur d'animation, n'hésitait pas à mettre tout son corps au service de ses explications. Un jour, ce fut Béjart. Tous les matins, en arrivant, le petit Christophe criait à Raymond « Tu me donnes ton dessert ?» Et puis ensuite, quand nous avons fondé Super Trollop, le petit Christophe disait tous les matins « Demain, je ramène du poulet. » Et puis un beau jour, excédé, Raymond lui rétorqua « Mais j'en ai rien à foutre de ton poulet !» Je me souviens au CFT de Gaston Roch, un animateur belge qui venait régulièrement nous faire cours. C'était un vieux de la vieille du cinéma d'animation. Il avait un bras valide, le droit, et un moignon à la place du gauche. C'est lui qui nous a appris, entre autres choses, à réaliser un accéléré et un ralenti au banc titre sans rien calculer. Tu prends un élastique plat, tu traces autant de traits équidistants que d'images souhaitées pour ton mouvement de caméra. Avec une punaise, tu fixes le premier trait de ton élastique devant le curseur en position 1. Puis tu tends ton élastique jusqu'à positionner le dernier trait au point d'arrivée. Tu as, au final,
un parfait accéléré et un parfait ralenti obtenu sans le moindre calcul. Merci Gaston. Je me souviens au CFT, dans la salle de dessin relativement studieuse, du rire de Mark Gordon Betts, mon voisin de gauche, annonciateur d'un moment de délire naissant. Mais je me souviens aussi de Pierre Emma, le directeur de la section cinéma d'animation, débarquant toujours dans la salle au moment où une grosse connerie était en cours de réalisation. Il avait du flair. Ah cher Pierre Emma. Chaque vendredi, Cilia Canning et moi avions un rituel particulier. Quand il ne restait presque plus personne au CFT, nous nous retrouvions comme des gamins au banc-titre et réalisions un film d'animation express en papier découpé, appelé « Film du vendredi ». Pour réaliser un film du vendredi, il fallait une idée souvent idiote, des personnages griffonnés sur une feuille que l'on découpait puis procéder à l'animation minimaliste afin d'avoir le maximum de films en un minimum de temps. Et voilà, on était contents. Ah, 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 ah,